Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à propos de ces élections législatives qui enflamment la France. Alors, ce que je voudrais regarder aujourd'hui, eh bien, c'est comment les électeurs, quels qu'ils soient, vont agir et comment ils perçoivent ces ralliements, ces alliances de circonstances entre le Front Populaire et la Macronie. Est-ce que finalement les électeurs de la Macronie vont suivre le mouvement en se disant, eh bien on vote pour un, élu, pour un futur élu écologiste du PS, de LFI Ou est-ce qu'il va y avoir rebuffade Et inversement est-ce qu'un électeur Elefie de la France insoumise sera prêt par exemple à voter pour Elisabeth Borne, qui a porté la retraite à 64 ans? Vous voyez bien que là, quelque part, on peut s'interroger sur ce, quelle sera l'action de ces personnes, comment ils perçoivent cela. Et dans tous les cas, je vais me permettre, je le fais extrêmement rarement, une petite réflexion euh, personnelle, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, nous sommes devant, à mes yeux, un déni de démocratie qui montre bien que cette législation avec deux tours ne correspond pas pour exprimer ce que souhaitent les Français. Je m'explique. Nous avons un scrutin majoritaire sur deux tours. Mais quand on regarde en fait, 30... Allez, je, vais dire... je vais arrondir les chiffres, 33% des Français souhaitaient des députés, le péniste, donc de, du Rassemblement national. 27 ou 28%, peu importe le chiffre hein, dans l'exactitude, souhaitaient des gens du Front Populaire et 20% de la Macronie. Et puis quelques autres pourcents. En réalité, une vraie démocratie aurait été d'avoir quelque chose bah, qui permettait d'avoir cette représentation-là. Au sein de l'Assemblée nationale. La proportionnelle, dont plus aucun candidat ne parle, je vous le ferai remarquer, c'était peut-être le mode de scrutin qui permettait l'expression la plus directe du peuple français, avec ses vrais risques, celui de la bordélisation. Mais peut-être aurait-il fallu en passer par là pour avoir un équilibre au sein du gouvernement, de ce futur gouvernement. Nous ne sommes pas du tout dans l'idée de tractation. Dans ce que je propose, ce n'est pas les tractations comme on voit pour évincer un parti. Et peu importe ce que l'on pense d'un parti ou d'un autre. Mon idée n'est pas de dire qu'il faut voter à droite, à gauche, au milieu, sur la lune, peu importe. Non, mais de laisser la représentation nationale parler d'elle-même. Je trouve que vouloir s'allier alors qu'on ne pense rien de commun, c'est une forme de confiscation de la démocratie. Et encore une fois, ce n'est pas l'idée de dire on doit être contre ou on doit être pour. Je ne veux pas entrer dans ce débat. À la limite que ça soit droite-gauche, pensez-vous sincèrement que ça va changer quelque chose Juste comme ça, hein. pensez-y il y a le Conseil constitutionnel, l'action de Macron et l'action de l'Union européenne. Beaucoup d'obstacles pour que ça change en profondeur. Mais on pouvait peut-être espérer des petites choses. Je pense que la démocratie est à revoir dans notre pays et que la proportionnelle. Serait plutôt l'expression réelle du peuple. Encore une fois, n'y voyez absolument pas l'idée que je vous dise pour qui voter. En réalité, ça n'a pas d'importance. À mes yeux, vous devez et vous êtes assez grands pour faire vos propres choix. Ce que je vais maintenant regarder, c'est comment les électeurs de chaque composante de cette alliance contre nature vont réagir. Est-ce qu'il y aura des reports de voix Alors, quand je vais dire Macronie, je vais mettre Horizon dedans. Euh, le modem aussi, ça va être plus simple, sinon on va avoir du mal à décortiquer. Quoique, peut-être, je vais regarder en fonction de. Si finalement, je vais peut-être le faire comme ça. Donc, on va déjà prendre le Front Populaire. Comment vont agir les électeurs écologistes vis-à-vis -vis de leurs reports de voix sur la Macronie. Comment vont agir les électeurs du PS sur le report de voix vers la Macronie Et comment vont agir les électeurs de LFI, donc de la France insoumise, sur leur report de voix vers la Macronie Ça serait intéressant de savoir est-ce qu'ils vont suivre les consignes finalement. Alors, eh bien les écologistes, on pouvait s'attendre à ce que finalement ils acceptent. Ben non, l'idée ça leur plaît pas. Pourtant, si on regarde sur la carte de l'échiquier, qu'on prend un petit peu de distance, on se dit rien n'empêche. C'est plutôt les écologistes sont plutôt d'un centre gauche modéré. Même si Macron est un centre un petit peu extrême, on sent qu'il y aurait une passerelle possible, mais pas tant que ça. D'ailleurs, regardez les déclarations de Marine Tondelier, on sent quand même des crispations. Et d'ailleurs, on sent la chef de file des, des Verts se crisper à l'idée, pourquoi faire Voyez, donc ça veut dire que l'alliance est bien de circonstances et de façades pour faire barrage ou pour préserver des postes, peu importe comment on le voit. On n'est pas là pour juger. Mais on voit bien que quelque part, ce n'est pas aussi simple que ça dans la tête des électeurs écologistes. Alors j'ai fait une petite pause dans la vidéo, parce que vous l'avez peut-être entendu à un petit moment, les cloches battaient très fort, le son devenait... Euh, trop persistant et empêchait une interprétation des cartes. Ça me troublait l'esprit. Et puis, je pense qu'au niveau de la vidéo, c'était peut-être pas agréable. Mais vous voyez, pour en revenir à ça, je suis surpris. Euh... Mais bon, c'est ainsi. Hein? Les cartes ne répondent pas forcément par rapport à ce que je pense. D'ailleurs, j'attire votre attention sur une chose. La voyance, ce n'est pas dire ce que l'on a envie d'entendre. Et ça, je le répète. C'est ce que l'on perçoit. Ce que l'on a envie d'entendre s'appelle complaisance. Si vous voulez de la complaisance, ne regardez pas les chaînes de voyance. Parlez à vos amis, ils iront dans votre sens et tout ira bien. Pourquoi je vous dis ça Parce que trop souvent, ça arrive honnêtement, c'est peut-être même pas 1% des mails que je reçois, mais où on m'accuse d'être pro ceci, pro cela. D'ailleurs, les deux extrêmes, c'est marrant. Euh, comme quoi on perçoit bien ce qu'on a envie de percevoir. Euh, et puis je m'aperçois aussi que dans les consultations euh, gratuites que je vous propose, eh bien, si la nouvelle vous contrarie, alors pas tout le monde, heureusement, fort heureusement, sinon j'arrêterai totalement les consultations gratuites, mais si ça ne va pas dans votre sens et qu'on vous, l'oracle fait ressortir quelque chose, eh bien, certaines personnes se fâchent, parce que ça ne leur convient pas. Si vous n'êtes pas prêt à entendre autre chose de ce que que ce que vous avez en tête ne me contactez pas. Ça ne sert à rien, je ne vous mentirai pas, je n'irai pas dans votre sens et au final je serai obligé de, de ne plus vous répondre parce que ça ne servira à rien et je préfère me consacrer aux personnes eh bien, qui ont envie d'avancer. Ce n'est pas parce que je vous méprise ou que je ne vous aime pas, c'est tout simplement parce que je suis obligé moi aussi d'appliquer le lâcher-prise et de faire attention à pouvoir continuer à avancer, finalement, avec les personnes qui souhaitent avancer. Même si c'est difficile, il y a parfois des, des, des choses difficiles dans les tirages, il faut en discuter, et je suis tout à fait prêt à en discuter. D'ailleurs, je pense que vu le nombre de personnes qui m'écrivent et qui me réécrivent, on voit de l'avancement. Mais de temps en temps, il y a une personne ou deux euh, qui veulent absolument imposer leur façon de faire, leur vision des choses à ce moment-là, avancez avec votre libre arbitre mais ça ne sert à rien de me contacter pour avoir un avis de voyance. En fait, vous ne souhaitez pas un avis, vous souhaitez être conforté. Auquel cas, contactez un ami qui dira la même chose que vous et tout ira très bien. Désolé un petit peu de cette de cette remarque, mais il faut aussi à un moment que les choses soient dites. Et puis, je dirais que attention avec la voyance, je vous dis souvent, on peut éviter le mur. On peut éviter le mur si on va droit dans le mur avec des positions. On évite le mur. Ça vaut aussi pour les politiques. Et vous voyez, euh, j'ai nettement l'impression que, vous savez que beaucoup de voyants ont annoncé la victoire du Rassemblement national. J'en fais partie, mais euh, d'autres voyants aussi. Hein. Je serais membre d'un parti politique qui est montré comme perdant. Eh bien, en voyant que ce que je fais m'emmène dans le mur, eh bien, j'aurais tendance à dire... Je vais changer ce que j'ai prévu de faire pour ne pas aller dans le mur. Je vous le dis souvent, on peut éviter d'aller dans le mur. Parfois, la voyance, elle sert à ça. Enfin, n'est pas parfois. On essaye que toujours d'éviter. On vous dit, vous allez tout droit, vous allez dans le mur. Prenez à droite ou à gauche. Contournez le mur. C'est ce qui se passe là. Cette alliance entre Macron et Mélenchon contre nature, parce qu'elle est contre nature. Hein, il il s'agit pas de dire si c'est bien ou mal. Il s'agit de, de constater. Elle découle des prédictions des voyants. C'est là où on peut s'interroger est-ce que finalement la voyance ne doit pas s'arrêter et ne plus toucher aux élections On peut s'interroger. Vous pouvez d'ailleurs le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que parce qu'on risque de faire changer les choses et d'amener peut-être des modifications dans les résultats, est-ce qu'on doit ne plus faire de, de voyance sur, la, sur les élections Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de, de ma réflexion. Mais je reviens au tirage, j'ai assez blablaté. Le PS, là, sans surprise, on sent un report de voix, on sent quelque chose qui va bah, se reporter. Nous avons du mercurien. Euh, Mercure, c'est la communication, c'est le réseau, c'est l'idée de réseau. Avec entreprise, on sent que, oui, ça se déplace. Ça se déplace pour aller vers. Euh, les candidats proposés par Macron à la place de ceux du PS. Et les filles. Et les filles, j'aurais tendance à dire naturellement, il y aura sûrement des crispations, on sait l'opposition, mais est-ce que l'opposition à Macron sera plus forte ou pas que celle vis-à-vis -vis du Rassemblement national Eh bien non. C'est peut-être surprenant. Je vous avoue, je suis surpris, j'aurais pensé qu'on ben, aurait eu plutôt ça sur LFI et plutôt ça sur euh, les Verts. Non. L'oracle ne le sent pas comme ça. Il semble que, effectivement, les, les électeurs de LFI, eh bien, s'ils doivent choisir entre Macron et, euh, et le Rassemblement national, préfèrent choisir Macron. Attention, on regardera à la fin de la vidéo aussi l'abstention. Voir si elle sera peut-être importante. Est-ce que... Je ne sais pas. On va bien voir, on va essayer d'avoir des indications. Et maintenant, en tout cas, on va regarder eh bien, les électeurs de la Macronie. Comment va être leur report de voix vis-à-vis -vis des Verts, vis-à-vis -vis du PS et vis-à-vis -vis de LFI. Comment vont agir les électeurs qui ont voté Macron, enfin pour le parti de Macron, s'ils si doivent voter pour un écologiste Comment vont agir les électeurs de Macron s'ils si doivent suivre un électeur, un député PS, reporter leur voix sur un député PS Et de la même façon, comment vont agir les électeurs de Macron s'ils doivent reporter leur voix sur un représentant de la France insoumise vous allez me dire, ils sont tous du Front Populaire, c'est vrai, mais chacun gardant son identité et parfois dans les reports de voix, ça peut se ressentir. Ou pas, on va voir. Sur les verts, regardez, là, ça semble donner raison à cet accord. Il y aura des reports, oui. Même peut-être un petit peu plus euh, important que dans les autres reports qu'on avait vus, PS et LFI, vers Macron. Les électeurs de Macron. Soutiendront sans problème un député qui cherche à, se, à avoir les voix pour se faire élire s'il est de, euh, des écologistes. S'il est du PS Eh bien, pas vraiment. Et là, je vous avoue que c'est une surprise. C'est une surprise parce que je l'ai pensé compatible. Eh bien, pas du tout. Et que là, visiblement, il y a des reproches il y a des choses qui ne sont pas prêts à faire. Et si c'est la France insoumise, là non plus. Et c'est là qu'on peut se dire peut-être que la France insoumise, son représentant le plus connu étant Mélenchon, euh, mais il y en a d'autres, il y a Mathilde Panot, Louis Boyard, euh, et j'en passe. Eh bien, on sent que là, pas du tout. C'est la coupure nette. Là, on y va, on, pas vraiment, mais là c'est encore plus marqué. Là. Les électeurs de Macron ne voteront pas pour la France Insoumise. Avec cette carte, on voit la fatalité. Je ne dis pas la totalité, mais c'est au moins 90% n'iront pas faire le, le pas. Donc vous voyez bien que finalement, quand on analyse un tout petit peu, si on prend du recul, euh, on analyse un tout petit peu, ces reports de voix fonctionnent dans certains cas, mais pas dans d'autres. Et les électeurs de Macron sont peut-être ceux qui n'ont pas envie du front de gauche, du front populaire, pardon. En fait, je pense que quand je vois cette... Euh, Peut-être je me trompe dans l'analyse, là, hein, puisque c'est une analyse, c'est mon mental, ce n'est ne plus mon intuition. Mais j'aurais tendance à dire que si les électeurs du Front Populaire veulent à tout prix battre le Rassemblement national, et en tout cas l'empêcher d'avoir une majorité absolue, les électeurs de Macron ne veulent pas choisir vraiment entre le Front Populaire, et bien sûr, non pas... Euh, le Rassemblement national. Donc vous voyez que là, quelque part, on peut s'attendre, je n'ai même pas besoin de faire le tirage, pour moi, on peut s'attendre à plus d'abstentions qu'il n'y en a eu dimanche. Moins de personnes iront voter. Tout simplement parce que cet accord, eh bien, c'est un accord électoral, c'est vrai, mais ça ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas aux électeurs. Ceux qui ont choisi Macron, eh bien s'ils avaient gardé un représentant, auraient continué à voter pour ce représentant, qui aurait peut-être été très battu, certes. Mais les gens qui choisissent de voter pour pour la Macronie ne sont pas prêts à changer. Et peu importe leur raison. C'est en tout cas ce que reflète fortement ce tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à soutenir la chaîne aussi si vous le souhaitez. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.